salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 17. Aujourd'hui dans cet épisode on fait le match contre Valence et on fait le match contre Manchester City à domicile le premier. Donc on va faire ça, allez match contre Valence, qu'est-ce que j'ai compris? Ah oui, il me manque un milieu. Il me manque un milieu, on va les faire jouer en noir. Et j'ai mon équipe qui est fatiguée, c'est normal puisque c'est l'équipe B qui doit jouer. Oui. Oui, parce qu'après je joue contre Manchester City. Par contre, il faut peut-être que je me garde Perez. J'en ai sûrement besoin pour le match face à City. Nano est fatigué, bah il va pas jouer. Et on va faire comme ça. C'est peut-être pas du tout mettre Perez en fait. Ouais. Ouais, c'est bon, ça ira comme ça. Bangoura, Machis, Augustin, Diomande, Diawara, c'est quand même une belle équipe. C'est quand même une belle équipe. Face à Valence, qui est une grosse équipe quand même. Même s'ils ont des difficultés. C'est quand même théoriquement une grosse équipe. Voilà. Ah, ça c'est fait. Ouais, j'étais passé. Ah, c'est comme ça qu'on fait des grilles. Oh, putain. Putain, je viens d'apprendre un truc de fou. Attends, je teste un truc. Putain, mais il les prend pas le mec. Comment tu veux feinter quelqu'un avec ça? Putain, là j'avais réussi, mais t'es fou, ça marche pas. Si je fais une passe à quelqu'un, peut-être, mais. Défenseur, il est au marquage, il lâche rien le type. On a la meilleure défense, on a pris ce dernier petit but contre Malaga. Le 10e de la saison. Ça fait pas beaucoup. Mais c'était un match tellement moche contre Malaga. Tellement moche de la part de mon équipe, hein. Parce que Malaga a plutôt bien joué. Mais nous, c'était tellement dégueulasse. C'était d'une dégueulasseté, d'une mocheté assez rare. Tirage de maillot, mon garçon, tu arrêteras si tu veux. Fais pas ta victime, mon petit, fais pas ta victime. Allez. Andrieux qui dégage. Du coup, on va faire l'objectif des jeunes, hein, grâce à Andrieux. Parce que jamais j'aurais titularisé un jeune milieu de terrain du centre de formation, parce que j'en ai pas un seul qui est bon en fait. Est-ce que ça va aller mieux au niveau des passes? D'ailleurs au niveau des contrôles ça a pas l'air d'aller vraiment mieux. De mettre 3 mètres pour faire un contrôle assez basique, c'est quand même un peu compliqué. Espérer mieux. Non, c'était pas pour lui. C'était con. C'était pas pour lui. Oh, mais vas-y. Il a fait sortir. Ah, il a mis en touche, monsieur l'arbitre. Je peux pas savoir, il a mis en touche. C'était pas pour lui, c'était con, parce que celui pour qui je voulais que ça soit, bah, il était bien lancé. Il était bien lancé. Allez, peut-être, non. Le centre était pas trop mal. Nani, mais personne au marquage. Allez, c'est peut-être un petit peu mieux là. Ouais, mais sauf que là. Oh, mais vas-y! Face à Nani quoi. Pereira, il a un physique de bœuf, tu sais, le mec est pas capable d'imposer son physique face à Nani quoi. Allez, Gaïa, le latéral. Comment on fait pour mettre du physique, ce sorti? Comment on fait pour mettre du physique quand on est dos à un adversaire? Parce que je sais pas comment ils le font. Tout con, hein. Attention vos passes, les garçons, parce que c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu fais là Attention à vos passes, là. Oh.
Vous me faites des passes, je vous demande des passes toutes simples et là vous êtes en train de prendre des risques de pour rien. Je le vois dans, ne serait-ce dans vos contrôles de balles, dans votre. Voilà. Voilà. Ah, mais. Oh, le penalty. Le penalty non sifflé. Le penalty non sifflé. Oh là là. Grosse annulation d'occasion de but, ça fait pénalty ça, monsieur l'arbitre. Mais bon, pas grave, hein. Pas lui en vouloir, monsieur l'arbitre. C'est sorti, c'est sorti. C'est sorti. Oui, lève les bras, c'est sorti, putain. Putain, là, c'était juste, là. Ah, c'est... Oh là là. Ça va pas être intéressant, sauf que Sackpack Pro, il a pas suivi son appel, hein, il a pas continué son appel, c'est très très con. Ça, c'était une belle tête. Elle a été cadrée, c'est le mérite d'être cadré. En tout cas, il faut quand même attaquer, parce que j'en ai marre, moi, de faire des matchs nuls tout bidon, là. Putain, merde, comment on a fait pour être champion, quoi, merde. C'est pas possible, ça. Pourtant, c'est pas comme si l'équipe, elle avait changé beaucoup, quoi, merde. Allez, le bon ballon. Le bon ballon pour Jean Daniel. Jean Daniel, le but. Jean Daniel Akpak pour le but. Bien joué. Je sais pas comment il s'est retrouvé là. Mais il s'est retrouvé là. La bonne passe. La très très bonne passe de Jean-Kevin. Jean Daniel pour Jean-Kevin. Bien joué, Jean-Kevin. C'est pas ton boulot de passer normalement, mais tu l'as bien fait là. Donc c'est très bien, c'est quand même assez rare pour te signaler. Donc c'est plutôt bien. Allez, bien joué. Bien joué. Comment il fait ça là? Comment il a fait ça? Vous voyez ce déplacement latéral là? Oh là là! Comment il a fait ce déplacement latéral là, ce petit déplacement latéral qui tue là. Je sais pas comment on fait ça. Tu fais pas ça avec la gâchette. Ça marche pas avec la gâchette. Avec la gâchette, ton joueur il va à 2 à l'heure. Et c'est tout ce qu'il fait en fait. Bon, vas-y, le mec il vient s'empaler Diawara sur le défenseur quoi. Allez, c'est lui qui l'a sorti hein. Oh non, mais d'où tu sors ton pied, toi, pour pouvoir me piquer le ballon de là, quoi. Allez, elle est à faute. Elle est à faute. Elle est à faute, pas sifflé, là. L'arbitre, il est parti. Monsieur l'arbitre. Oh, monsieur l'arbitre. Il reste que les assistants. Ouais, ça c'est pas mal joué. C'est pas mal joué. La frappe, non. Comment il peut la rater? Comment il peut la rater? C'était le 2-0, ça. C'était le 2-0. Bon, monsieur l'arbitre, ça y est, il est là. Il est là. Il est là, il est là. Je sais pas où est-ce qu'il était parti. Il a dû peut-être oublier son sifflet. Je ne sais pas. C'est pas bien d'oublier les fautes, monsieur l'arbitre. Hein. Oh, c'est une belle frappe, ça. C'est une belle frappe. Et on gêne le gardien. Oh, comment c'est possible? Comment humainement c'est possible, ça? Bon, c'est pas possible, ça. Le mec, il arrive, il est premier dessus. Et l'autre, il arrive à foutre une tête sous son bras, tu sais. T'aurais dit Diawara, t'aurais dû tomber. Tu serais tombé, il y aurait eu faute. Tu vois, le jeu aurait été réaliste. Pourquoi j'arrive pas à... Ouais, mais j'arrive pas à lui prendre le ballon. Sauf que j'ai aucun joueur qui veut que je le sélectionne. Ils veulent pas. Pff, ça sent la mauvaise passe. Ça sent la mauvaise passe, et ouais. Ça sent la passe dégueulasse.
puisque c'était pas du tout pour cet endroit là. Je l'ai touché forcément. Ce soir, on va faire le exactement. Oh là là, oh là 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 là. Je sens qu'on va faire exactement le même match que contre Malaga, tu vois. Et on va prendre un vieux but, bien pourri, bien dégueulasse. Pourquoi mes joueurs, ils arrivent à rien là, en ce moment? C'est terrible, ça. C'est la période, ça. Ça, c'est la période, en ce moment. Là. La période dans le jeu où tes joueurs, ils font plus rien. Ils ont aucune envie, tu sais. Les mecs, ils ont des échéances ultra importantes. Ils sont deuxième du championnat d'Espagne, mais... Vous voyez qu'il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, quoi. Et il n'arrive pas à faire une passe devant lui. Et en plus, on s'est fait une faute. Putain. C'est abusé. Je suis sûr qu'on prend le but sur une faute comme ça. Ah, c'était pas loin, hein. C'était pas loin. En tout cas, c'est toujours dégueulasse, hein, niveau de... Oh là 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 là. C'était une passe appuyée dans les pieds, hein. Dans les pieds du joueur. C'était dans les pieds du joueur. C'était dans les pieds. C'est jamais arrivé dans les pieds. Putain, mais eux, regarde. Il rate pas les passes, hein. Il les rate pas, hein. Aucune, hein. C'est impressionnant. Son Rio tranquille, hein. Ah ouais, mais là, je peux pas attaquer, là. J'ai pas assez de monde. Ah, mais là, voilà, ça c'est déjà tout roupillé en défense, là. On dirait qu'on joue au championnat de France, là. Oh, mais non, mais c'est quoi cette pince? Mais non, mais fais-le au moins là où je te la demande. Il va croire que tu mettes un peu du tien pour essayer de faire un effet freestyle, tout ça, mais... Mais là, au moins, là où je te la demande à peu près, quoi. Pas totalement... un pétaouchnock, là, on sait pas où... T'as un gros tacle. J'aimerais bien que mes joueurs ils fassent des tacles comme ça. Oh là là. Moi, je pousse le ballon en touche. Moi, je sais faire que ça. Je sais faire que ça. Décidément, je fais comme plein, non, en ce moment, c'est terrible. Allez! Eh bien, la passe! Diawara, tu te réveilles! Diawara, il fait pas la... Oh, ça, c'est l'égalisation, ça. Le même match contre Malaga, exactement le même. Je crois qu'on avait pris l'égalisation au même moment. À cause de quoi? Bah, à cause de Diawara, tu vois, qui est pas capable de faire une passe. Putain, mais c'est pas vrai, ça. Regardez-moi ce contrôle, quoi. Le mec, il prend 5-6 mètres pour faire son contrôle, quoi. C'est un contrôle basique. Il reçoit un ballon tranquille, tu vois. Le mec, il fait 5-6 mètres. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est moche, ça. C'est pas du tout ça que je t'ai demandé, je viens de dire. Elle est où, la faute? Elle est où, la faute? Elle est où, la faute, monsieur l'arbitre? Je vois pas de faute, moi, là-dessus, hein. D'où tu me sors une faute? Je comprends pas où est-ce qu'il voit une faute, hein, monsieur l'arbitre. Hein. Il va falloir qu'il m'explique. Ah, là, je me jette trop. Je fais n'importe quoi. Là, ils sont en mode fou furieux. Alors, ils sont en mode ninja. Et voilà. Et là, je vois, j'ai aucun appel. Ben ouais, mais sauf que... Ben ouais, mais faut te sortir les doigts un peu du cul, là, Augustin. Désolé, je parle mal. Mais Augustin, là, voilà, zéro, là, Augustin. Zéro, parce que là, il n'a pas fait l'appel, il n'a rien fait, il est resté ultra statique. On va lui dire de faire des appels, alors, s'il ne comprend pas le... Non, on part au piqué dans l'axe. Ah. On va faire ça.
Allez, Jean-Daniel. Allez, Jean-Daniel. Jean-Daniel, t'as quelques mètres d'avance. Et c'est le but de Jean-Daniel. Bien joué. La contre-attaque. Et c'est mérité quand même, hein, parce que, enfin, c'est mérité. On a bien harné quand même, hein, pour aller marquer ce but. Son quatrième but. On va passer en équilibré. C'est pas immérité non plus, quoi. Oh là là, mais le ballon, putain, j'ai pas de chance avec le ballon, mais c'est terrible. Hein. Voilà, en plus. J'ai des joueurs, ils sont vraiment ultra statiques. Hein. Ça, je comprends pas comment ça se fait que j'ai mes joueurs qui sont aussi statiques. Oh là 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 là, elle était dégueulasse cette passe. Hein. Elle était vraiment dégueulasse. Hein. Oh la faute, pénalty, pénalty. Il y a déjà le dernier défenseur carton rouge. Carton rouge. Carton rouge, bon, il n'a pas désigné le point de pénalty, mais normalement il y a pénalty. Hein. Carton rouge. Normalement il y a pénalty. Hein. Tu vois, pénalty entrée de surface. Ça va, il y a pénalty. J'ai cru qu'il allait pas me le siffler. Putain, il la glisse sous le gardien. Bien joué, Jean-Kévin. Bien joué, Jean-Kévin, mais c'était juste. Hein. C'était juste. Allez, on mène 3 buts à 1 et ils ont un rouge. En tout cas, beau travail de Prib et de Bangoura, même si les passes n'étaient pas terribles. Comment la place de Jean-Kévin, justement. Bon, mais c'était un match compliqué. Hein. On fait 6 tirs cadrés, quoi. Ils font un seul tir cadré, ils arrivent à le mettre, quoi. Cette efficacité incroyable. Allez, on fait travailler les enfants. Vera qui progresse. Le problème, c'est que voilà, s'il y en a un qui veut partir, tu vois, il peut partir parce que du coup, je peux pas le récupérer. Alors, c'est quoi, Pep Guardiola en sens Lucas? Ah, parce qu'ils sont Lucas. Ah, d'accord. Bon, il faut. Bon, faut, je suis pas sûr qu'ils en avaient vraiment besoin, mais. Du coup, c'est Perez qui prendra la place de. On dirait le maillot de Dijon, deuxième maillot de Dijon. Ah, ça casse tout, hein. Ça casse le mythe là. Dit comme ça, ça casse le mythe. Hein. Regardez le deuxième maillot de Dijon. On dirait le deuxième maillot de Dijon. Est-ce que c'est Dijon qui a piqué l'idée? Ou est-ce que c'est United, Manchester City qui a piqué l'idée, hein? On ne sait pas, on ne sait pas, vraiment on ne sait pas. Mais dit comme ça, je dirais, on dirait le maillot de Dijon. Ça tue. Ça tue, la ressemblance est frappante. C'est incroyable. On va les faire jouer en or. Putain, j'aime le nez qui gratte, c'est terrible. Bon, on a un pro, il est encore fatigué, lui. T'as pas le droit d'être fatigué, c'est interdit. Tu vois. 76, Mori, quand même, il progresse. Hein. Bon, mais Diawara, il a pas été très très bon. Cuenca sur le banc, Cuenca Prib. Cuenca Prib. Et Augustin, à la place d'Augustin. Chaplin, même s'il va pas nous apporter beaucoup. Et on va y aller comme ça. On a quand même une belle équipe, quoi, merde. J'imagine un peu cette équipe, quoi. C'est pas mal. Bon, c'est sûr que par rapport à City, c'est rien, mais c'est quand même pas mal, quoi, merde. Elle devrait savoir jouer au ballon, quand même, cette équipe. C'est pas comme si j'avais des mecs, c'était que des boeufs, tu vois, qui savaient pas jouer au ballon, quoi, merde. J'ai des joueurs un peu techniques, certains. Un peu. Quand même, un minimum syndical, quoi, merde. On sait faire un contrôle, on sait faire une passe, voilà, quoi. Allez, en tout cas, on accueille Manchester City. Gros match. Quart de finale. Au quart de finale de Ligue des Champions.
dans notre petit stade. Ça va être chaud. C'est ça, c'est les cars. C'est le... Où est l'intrus? Trouvez l'intrus. Je suis la seule équipe espagnole encore en lice. Parce que j'ai vu qu'il y avait deux équipes anglaises. Il y avait Tottenham contre Manchester United. Il y a Manchester City. Après, j'ai vu d'autres équipes. Triplé lors du précédent match, Sergio Aguero. En même temps, voilà, moi, j'aurais les mêmes moyens aussi. Je ferais une équipe de fou. Je fais avec ce que j'ai. Je fais les pré-contrats, moi, monsieur. Moi, monsieur, je fais des pré-contrats et je revends après. Je fais de l'achat-revente, tu vois. Mais en carrière. Allez, on va partir sur une compo tout à fait classique que tout le monde connaît maintenant. C'est la compo qu'on change quelques trucs dès le début. Voilà. Hop. C'est la compo, on change quelques trucs. Soutien offensif. Sur une tactique comment, un peu comme ça, pas comment, pas comme Kingsley comment. Non, avec 3 joueurs du secteur offensif, 3 sur 4, qui restent quasiment tout le temps vers l'avant pour avoir des solutions de jeu contre. Oula, ça, ça en dit long sur la qualité des passes à venir. J'ai extrêmement plaisir. Le joueur qui passe devant. Et il est tout seul, la grosse patate, dis donc. Quelle grosse patate, c'est qui a... C'est pas moi qui l'ai mis. C'est pas moi, c'est Agüero qui l'a mis. Oh, vas-y. C'est quoi mon joueur qui saute même pas, qui passe à travers, là? Alors que je lui demande de dégager, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais demandé. Ah, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud, je le sens, parce que j'ai mes joueurs qui sont pas du tout... Du tout dedans en ce moment. Ils sont plutôt dans le dur. Voilà. Là, mais là ça pouvait pas passer. Le repli défensif de Manchester City était franchement impeccable. Allez, ça c'est plutôt bien joué. C'est plutôt... Oh là là, mais ça c'est... Mais c'est quoi cette passe? C'est pas Cartabia qui m'a fait cette passe, j'espère. Bien joué. Ah, ils ont Rouli. Ils ont Guillermo Rouli. C'est pas Cartabia qui m'a fait cette passe totalement désastreuse qui est partie dans l'espace, on pourrait dire. On pourrait dire qu'elle est partie dans l'espace. Allez, Carcela. Oh là là. C'est pas du tout là que j'avais demandé le ballon, mais c'est pas grave. Oh, Cartabia! Oh, Cartabia, la tête qu'il nous a mis! Comment est là, tu vois, là, c'est pas normal. Là, tu vois, c'est pas normal. Là, c'est pas normal. Le centre est très très beau, mais. C'est pas normal. C'est logique que Cartabia puisse prendre le dessus comme ça. Hein. Si, ouais, il le pousse un peu, mais... Putain, il l'a mis, il nous a smashé une espèce de tête. Putain, bravo, hein. Mais je trouve qu'il est pas très grand. Peut-être qu'il est meilleur avec la tête qu'avec les pieds. On va se poser la question. C'est qui, là? C'est Aguero. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Allez, oh non, c'est dommage. Oh non, c'était pour Agbo. Il était bien placé, Agbo. Je sais pas pourquoi il est allé me chercher le buteur, alors que bah, il était très très bien placé, lui. Je vois pourquoi il est allé me chercher le buteur. Hein. Ça
C'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Parce que là, il y avait une belle chose à faire. Oh, la frappe. Oh non, comment il peut la mettre à côté? Nano, t'es tout seul. T'es tout seul. Comment tu peux la mettre à côté? J'aurais dû mettre la précision. Oh, oh là là. C'est qui? C'est Bonnie qu'ils ont devant? Bonnie and Clyde. Non, c'est Wilfried. Wilfried Bonnie, non? Parce que... Ouais, c'est ça. Ouh, attention! La frappe à côté. Ça va être une double confrontation du tendu du slip. Ah oh, putain, vas-y, mais t'as pas le droit de faire des... Ah oh, non, non, tu mets ton pied, puis après tu te désengages totalement. Pourquoi t'es pas parti au... Ah, pourquoi il est pas parti au marquage? Oh non, putain, il est... Pourquoi il a lâché son marquage? Regardez-moi ça, il est même pas marqué. Putain. On était bien dans ce match, là. Et c'est dû à quoi? Une mauvaise relance encore une fois. Une mauvaise passe. Une passe totalement dégueulasse. Inadmissible à ce niveau-là. Oh là là, mais encore une fois. Oui, non, c'est dû à Nano. Nano qui met le pied pour prendre le ballon, mais qui s'arrache le pied pour enlever son pied du ballon. Tu vois, parce qu'il voulait plus jouer le ballon. Oh non, mais non! Pourquoi t'es allé chercher Adzili? Le jeu, des fois, il comprend vraiment rien, quoi. Allez! Oh là là. Maudit. On est maudit. Putain, j'ai cru qu'elle allait me siffler une faute. T'es étonné d'ailleurs qu'il me siffle pas de faute. Ah, oh, mais vas-y, mais tu te fais défoncer par les gars, quoi. Le mec, il te touche, il te déglingue la gueule. Je vais encore que c'est Manchester City, mais merde, quoi. Pourquoi mes joueurs, ils ont aucun physique, quoi. Ils savent pas faire des passes, en plus. Ah. Oh non. Pff. Oh, mais non, mais Adzili, mais t'as pas le droit de faire une frappe comme ça. Oh là là, ça, c'était moche. Oh là là, de synthèse. Que dire? Que dire? L'égalisation n'est pas vraiment méritée. On domine, mais qu'est-ce qu'ils sont maladroits, mes joueurs? Mais qu'est-ce qu'ils sont maladroits? Ouais, moi, ça c'est l'exemple parfait, tu vois. On récupère le ballon, mais ils restent tous comme des imbéciles. Oh là là, et ça aussi, quoi. Là, ça prouve qu'on n'a pas de chance, quoi. Putain. Les contres pour l'adversaire. Ça m'étonnerait qu'on passe ce tour. Hein. Là, le jeu, il veut plus de nous. Là, le jeu, il veut plus de nous. Les joueurs, ils se mettent à jouer comme des sacs. Ouais, il y avait un bon appel d'Adzili, mais malheureusement, la porte s'est refermée trop vite. Oh, mais non, mais c'est quoi cette pince? Tu allais me chercher qui, là? Je t'ai demandé en retrait en plus, il a me cherché. Il est allé me faire une passe vers Adzili alors que je lui demandais en retrait, quoi. Après, il faut qu'on m'explique quand même la logique du jeu, quoi. Combien on parie que je la garde pas 5 minutes, tu vois, voilà. Je la garde pas 2 secondes. 2 secondes. Le mec, il arrive, il me fait un tacle sur le côté. Dans le dos, presque. Alors, je vais me prendre un but. Allez, Kozalinac. Ouais, mais vas-y, mais... Non, mais là, mais... Ouais, à ce niveau-là, mais... Tu peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça, quoi. Allez. Bon. Voilà. L'offensive est toute cassée. Et il allait perdre le ballon, encore une fois, quoi.
il allait perdre le ballon encore une fois, quoi, le mec. Il prend un petit coup par l'adversaire et direct, le mec, il va à l'hôpital, quoi. Ok, belle frappe. Ça, c'est une jolie frappe. Hein. Très très bel arrêt de roulis. Encore une belle tête, Carcelin. Contre des joueurs qui sont cuits. Nano, bah, de toute façon, Nano, il est pas bon. Il est pas bon. Est-ce qu'on changerait pas de dispositif? J'ai envie de passer sur un truc comme ça. Est-ce que j'ai des joueurs qui peuvent jouer offensif? Ouais. Adzivi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ça. C'est assez compliqué, hein, dis donc. Faire ce que je veux. Mais là, j'ai pas assez de banc, tu vois. Allez! Ouais, mais t'attaques pas le joueur aussi, là. Tu t'attends quoi? Que le mec, il s'arrête, peut-être? T'attends peut-être que le gars, il s'arrête, après, si tu veux, voilà, quoi. Ça, après, ce serait un peu trop simple, non? Si le mec, il devait s'arrêter et t'attendre. Et pourquoi vous ne montez pas, là? C'est mal donné, c'est mal donné. C'est mal donné, pas du tout comme il faut. Et en plus, je défends mal, quoi. Je rate tous mes tacles que je dois faire, en fait. Allez. Oh non! Oh, Carcela, tu vires. Hein. Oui, oh, il est déjà en dehors. Non. Tu vires, Carcela, t'as pas le droit. Hein. Putain, mais sur un match comme ça, quoi. Tu fais pas des faux appels comme ça, merde! Réfléchissez deux secondes, les gars. Réfléchissez, mais juste deux secondes, quoi. Le ballon est toujours pas sorti. Quand même. Ouais, bien joué. Non! Oh, je suis pas d'accord! Mais où est-ce que tu l'as, ta faute? Moi, non, je suis pas d'accord, là. C'est quoi cette faute ultra cheat, là? Ça, c'est pour me faire perdre le ballon, ça. Ça, c'est pour me faire perdre une belle possession de balle. Et là, je vais me prendre un but dans le contre. Tu vas sur une faute inexistante. Oh. Mais tu peux pas dégager comme ça, mais t'es pas sérieux. Comment tu peux dégager en corner, quoi? T'es tout seul. Faut pas me dire que t'as la pression. Ça, c'est sûr, on va prendre un but de la super jeu. Bon, j'ai un mec au poteau. Regardez-moi, ils sont tous devant, quoi. Alors ça, j'aime pas quand là, il cheat comme ça, là. Il se met en mode pressing de malade mental. Et là, tu peux rien faire. Déjà que... Oh là là, mais regardez-moi ça, quoi. Garde pas le ballon. Garde pas le ballon deux secondes. C'est mes joueurs qui suivent pas. Oh là, j'ai cru qu'elle allait me siffler un pénalty, ça m'est déjà arrivé. Hein. J'ai eu un pénalty pour une faute inexistante hein, déjà. En ce moment, les arbitres, ils m'aiment pas. Hein. S'ils veulent pas me siffler, oh là là, mais non, mais putain! Mais appliquez-vous, deux secondes! Zéro application, oh, zéro implication aussi. Un jeu dégueulasse. Tu peux pas gagner avec ça. Oh non! Tu peux pas rater ça, t'as pas le droit, t'es pas sérieux. Oh là là, mais comment il accroise trop? Mais il accroise 10 fois trop là. Il est complètement malade lui. Allez, Adzili peut-être. Pour là, oh là là, mais là elle est mal tirée. Elle est vachement mal tirée celle-là. Oh là là, ça sent le... Ça sentait le fail.
Chaplin. 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 Oh là là, le tir. Mais putain, mais tirez quoi, merde. Vous êtes à côté. Comment vous pouvez laisser passer ça? Oh là là, quel arrêt. Comment il peut laisser passer ça? Il y a le ballon qui traîne, les mecs ils sont comme ça à le regarder comme des imbéciles quoi. Ça il faut pas quoi. Oh là là, mais c'est quoi cette passe? C'est pas une passe ça. Quel match de merde encore une fois, mais. C'est terrible, mais tu peux pas jouer avec des mecs comme ça. Regardez-moi cette domination quoi. Comment on peut faire que un partout quoi? Merde! Tiens, à cause des mecs, on a combien tu les vois pas les passes réussies parce que. 87% de passes réussies, ça c'est parce que je fais beaucoup de passes courtes. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Hein. Regardez-moi cette domination quoi. 12 tirs seulement, 6 cadrés quoi. Bayern qui gagne 1-0 contre Chelsea. On fait match nul, c'est pas terrible pour nous parce qu'ils ont le but à l'extérieur. Si on en reste là, ben on serait éliminé. Ça serait assez fâcheux. Je pense que c'est pas faute de, bah, d'avoir pas voulu jouer trop offensif. Parce que j'avais quand même dit aux arrières latéraux de pas trop monter. Pourtant ils se sont quasiment tout le temps obstinés à monter, ça c'est un truc que je comprends pas ça. Puis il y a toujours. Je vais râler encore contre ça, mais je trouve encore une fois que le marquage des joueurs est inexistant sur FIFA. Putain, vous m'avez trouvé plein de monde, vous êtes fous. Vous êtes fous. Le marquage dans FIFA, c'est vraiment quelque chose d'inexistant en fait, hein, pour tes joueurs. Hein. L'AI, le marquage de l'AI est toujours impeccable, mais pour tes joueurs, c'est vraiment inexistant. Hein. Ça veut rien dire en fait. Tes joueurs, ils savent pas ce que ça veut dire le mot marquage. Hein. Mais on est à la fin de la saison. Ah bah déjà. Bah heureusement. Parce que j'ai l'impression que mes joueurs, ils en ont plein le cul là. Hein. Ils veulent pas continuer en tout cas. Hein. Ils veulent pas continuer en tout cas. Bref. En tout cas, on a fait match nul à domicile. C'est pas une bonne performance. Il va falloir être bon au retour. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on fera dans le prochain épisode. Ça va être ça le suspense. Est-ce que dans le Deportivo, dans Getafe ou dans le Rayo? Après, on est bientôt à la fin de la saison quoi. C'est quoi ça? Finale de la Coupe d'Espagne contre Las Palmas, où ça sent la défaite. On fait 0-0 contre Las Palmas, on a beaucoup de mal contre eux. Ça sent la vieille défaite, bien cheat. Alors on pourra faire le dernier épisode de la saison, peut-être. Sur Celta Vigo, Las Palmas. Puisque bon. Si le niveau de jeu reste le même, je pense qu'en Ligue des Champions, on va pas y rester longtemps. Le prochain match, ça risque d'être très compliqué. En tout cas, dans le prochain épisode, sinon je ferai que le match de Manchester City. Voilà. En tout cas, on s'arrête ici pour cet épisode. J'espère quand même que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera quand même plaisir, même si je rage un peu, mais... ça fait peur, hein. Ça fait peur. Je sais pas, moi, ça fait peur. Moi ça me fait peur, en fait, hein, d'avoir des joueurs de ce niveau-là qui savent pas faire des choses simples, tu vois. Ça me fait peur, en fait. Enfin, bon. Allez, on s'arrête ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao.